Eh bien, salut tout le monde, chers gamers, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du prochain DLC qui va arriver, enfin plutôt le prochain événement. Donc chaque année, le 14 juillet, on a tout simplement l'Independence Day qui arrive. Donc on nous ajoute le Liberator, une moto, on nous ajoute aussi des feux d'artifice et quelques tenues. Mais cette année, Rockstar a décidé d'aller un peu plus loin et nous ont tout simplement ajouté 6 véhicules. Donc 4 super sportifs, normalement vous avez les prix qui apparaissent et les images des véhicules qui apparaissent à l'écran. Et 2 véhicules militaires, donc un nouvel insurgent et une nouvelle voiture, donc très très stylé. Ils ont aussi ajouté des camouflages pour les armes, donc le camouflage très très stylé avec les drapeaux dessus qui sont juste magnifiques. Je trouve ça juste super stylé. Donc ils ont vraiment bien fait pour cette année de faire ça. Ils ont aussi ajouté tout simplement un camouflage, enfin plutôt une texture pour le camion, la remorque du camion du centre d'opération qui a été ajouté au DLC militaire. Donc voilà un petit drapeau américain et tout, les aigles et tout, c'est vraiment très très stylé. Et donc voilà, donc ça c'est des ours qui nous étaient partagés par pas mal de petits modeurs français, américains. Donc voilà, ça a été vraiment partagé, j'avais envie de vous les partager aussi. Donc économiser pour tout ça parce que tout ça, normalement ça va disparaître après sauf les véhicules qui vont rester. Voilà, donc c'est des véhicules super sportifs et 2 véhicules militaires assez stylés ainsi que des camouflages pour les armes et des textures pour le camion. Voilà, donc des trucs vraiment très très stylés. Et donc voilà, donc je vous ai partagé tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc cet événement arrive le 14 juillet et donc préparez vraiment l'argent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde. A plus.